Florent Pagny est un chanteur français populaire connu pour ses tubes Savoir aimer et Ma liberté de penser. Malgré une carrière musicale prospère, il souffre d'un cancer du poumon depuis plusieurs années. Cependant, cela ne l'a pas empêché de revenir sur scène cet été, après avoir annulé sa tournée des 60 ans en janvier 2022. Bien qu'il prenne un nouveau traitement qui l'oblige à aller régulièrement à l'hôpital, le cancer est tenace et ses fans sont inquiets pour sa santé. Florent Pagny a révélé son cancer du poumon il y a plusieurs années et a depuis lutté contre la maladie. Malgré tout, il n'a pas abandonné sa passion pour la musique. Il continue de se produire sur scène, même si cela signifie qu'il doit aller à l'hôpital régulièrement pour son traitement. Mais ce n'est pas facile, le cancer est tenace, et le chanteur a dû annuler sa tournée des 60 ans en janvier 2022. Cela a été un coup dur pour ses fans, qui espèrent toujours le revoir sur scène. Florent Pagny a récemment révélé qu'il avait fait une rechute en raison de sa négligence. Avant sa rechute, il avait abandonné son traitement pendant 5 mois et s'était réfugié dans son village en Patagonie, loin des infrastructures médicales. Cela a failli lui coûter cher en mai dernier. Heureusement, il a repris son traitement à temps et a réussi à s'en sortir. Mais il reconnaît que la santé est particulière et qu'il y a beaucoup d'étapes où tout se remet en question. Il doit rester vigilant et suivre son traitement à la lettre. Florent Pagny suit son traitement à la lettre. Que ce soit pour les prises de sang, les scanners ou les PESCAN, il est toujours à vérifier si les choses restent stables ou s'il y a encore des apparitions. Comme le cancer réapparaît régulièrement, il y a des traitements qui l'accompagnent. On l'appelle le crabe car il s'accroche durement, il est tenace. On s'accroche, on vit contrôle après contrôle. Après, il y a des traitements qui sont plus durs que d'autres. Florent Pagny est de nature optimiste, il reste dans le positif et dans les projets à venir. Il continue de chanter et de travailler sur sa musique, même s'il est malade. Pour lui, la musique est une façon de combattre la maladie et de garder le moral. Il sait que rien n'est jamais terminé en matière de santé, mais il reste confiant quant à son avenir. Florent Pagny est un chanteur talentueux qui a une passion pour la musique. Malgré sa maladie, il reste optimiste et continue de se produire sur scène. Cependant, il doit protéger sa santé avant tout. Il doit suivre son traitement à la lettre et être vigilant. Ses fans lui souhaitent le meilleur et espèrent le revoir sur scène bientôt, mais ils savent que sa santé est la priorité absolue. Florent Pagny est un chanteur talentueux qui a lutté contre un cancer du poumon pendant plusieurs années. Et tout, il reste optimiste et continue de se produire sur scène. Il suit son traitement à la lettre et est vigilant quant à sa santé. On espère le revoir bientôt sur scène, mais ils savent que sa santé est la priorité absolue. La musique est une façon pour lui de combattre la maladie et de garder le moral. Florent Pagny est un vrai battant, et il continuera à se battre contre le cancer pour continuer à faire ce qu'il aime, chanter.